Les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouvel épisode des Feux de l'amour ce vendredi 6 novembre 2020 sur TF1. Les aventures des habitants de Genoa City seront à découvrir à 11h. Toute la telle vous propose de découvrir les intrigues phares qui composeront l'épisode. Une famille unie? Devons, Lily et Matty dînons ensemble le soir de Noël. Elles sont tristes que la famille ne soit pas réunie. Can et Charlie sont chez Jill. Grâce à Devon, ils finissent par les rejoindre au club. Nicky, sous pression, Christine et Paul tentent de convaincre Nicky d'accepter leur aide afin d'arrêter Victor. Ashley, prise pour cible par Jack. Jack en veut terriblement à Ashley. Dine quitte la table, suivi de Tracy. Le dîner se termine mal. À Noël, mouvement à Genoa finit par retrouver William. Hillary se rend au club. JT finit par avouer à Victoria qu'il se barre de Mackenzie. Il a également perdu son emploi. Victoria lui propose de passer Noël avec Reed et elle. De son côté, Abby pense que JT cherche à la séduire. En parallèle, Mariah met en garde Abby et Scott afin de protéger sa mère. Enfin, Abby, Victoria et Nick, étonnant de lire dans la presse que Nicky et Victor se sont remis ensemble. Victoria et Nick demandent des explications.